Salut les amis, c'est Dean Oliveira. J'ai une voix de barbare parce que je viens de sortir d'une session de tournage de Dynasty Warrior 8. Putain de logiciel de merde! Désolé. Attends, c'est la plus c'est la plus nulle intro que j'ai faite quoi. Donc on est sur FIFA 14, cet épisode vous l'aurez mercredi. On va faire une carrière YouTube. Comme je disais, je venais de sortir d'une session de tournage de Dynasty Warrior 8. D'ailleurs, vous avez eu une vidéo juste hier, il me semble. Et vous aurez également, vu que la session de tournage a fait 3 épisodes, vous aurez un épisode vendredi, enfin un épisode de Dynasty Warrior vendredi, et dimanche certainement. Alors, aujourd'hui, donc, on avait prévu une battle contre l'AS Monaco et une battle contre Tottenham. Ça devrait le faire. En même temps, Tottenham, c'est Lloris hein, dans les buts, donc normalement, je devrais marquer au moins 5 buts. Je sais, je suis irrespectueux, mais j'en ai strictement rien à foutre. Alors, on y va, on va louer Moreno, parce que bon, il m'a fait des beaux matchs hein, quand même. Alors, aujourd'hui, on m'avait demandé de faire jouer Moreno. Je vais me mettre en alternative parce que là, ça va être galère. Donc, on m'avait demandé de faire jouer Sergio Moreno. Oui, c'est Sergio Moreno. Et on m'avait demandé de faire jouer, comment il s'appelle déjà, Viviano. Parce qu'il n'avait pas encore joué. Bon. On va le faire jouer contre Amidou. Parce que Kerjan, il reste, faut pas déconner, hein. Et puis Waki Ofrata, je verrai pour le faire jouer plus tard. En attendant, Fares Ayase, il va reprendre son poste. Et on va pouvoir partir comme ça. Donc voilà, c'est l'équipe. Capel, Gbamin, Kerjan, Viviano, Masuaku, Ayala, Alvarez, Pogba, Stevens, Darnell Rose, Moreno. Et en remplacement, j'ai Ayase, Lala, Thiago Mendes, Yes Uri, Nguet, Acosta et Martial. On joue le match. Allez, grouillez-vous. J'ai pas que ça à foutre, moi. Ouais, Sergio Moreno, il m'avait fait un bon match hein, contre le CA Bastia, je crois. Bon, allez, hop. Ah là là là. FIFA 14, qu'est-ce que ça fait du bien. Merci à vous de nous accueillir, c'est un match. Et n'oubliez pas que c'est sur FIFA 15 que je ferai mon équipe de choc. Alors par contre, je ferai mon équipe de choc certainement avec le LOSC ou le RC Lens, j'en sais rien. Parce que je vais rester dans les équipes du Nord, de la France évidemment. Et comme Valenciennes va être rétrogradé en National ou en CFA, hein, je sais pas. Je pense pas qu'il y ait. Qu'ils vont mettre. Au moins le grade national, vous voyez, je sais pas s'ils vont le mettre. Hein. Enfin bon, on verra bien. Alors, pour le moment, Valenciennes est deuxième. Faudra que je sois premier. Et n'empêche que le mec, je lui envoie un message pour dire que je suis n'empêche que le mec, je lui envoie un message pour dire de pas me déranger parce que je suis en
en tournage vidéo. Alors que le coup d'envoi est donné à l'instant, à peine 5 minutes plus tard, bim, il m'envoie un message pour ça, quoi. Oh, oh, merde, merde, merde. Bon, en tout cas, vous avez vu que... Bon, après, je vais pas trop parler de la France, hein, de la Coupe du Monde, parce que je tourne cet épisode dimanche après-midi, parce que bah pendant la semaine, j'aurai pas trop le temps, je pense. Putain, Moreno, c'est une fusée, quoi. Bon, c'est un centre à mi-hauteur dans la surface. Putain, Pogba, t'as failli la remettre. Il sera pas cadré. Dommage. Quelques centimètres, en effet. Donc ouais, je voulais dire, la France s'était qualifiée, mais bon, d'ici là, les huitièmes de finale seront faits. Donc je ne peux pas parler des huitièmes de finale, parce que bon, si j'en parle maintenant, et que si par exemple la France gagne, et que je dis... la France va perdre pour ci et pour ça, même si j'aurais dit que la France gagnerait, hein, personnellement je pense que la France gagnerait, je pense 1-0. Ah putain, bravo Capel, j'ai pété les plombs, j'ai quitté l'école, c'est ma direction, et j'ai pété les plombs parce que j'ai pas marqué. Hop, merde, fail. Bien joué, Kerjan. C'est le drop. Putain, mais je suis vraiment une quiche. Franchement. Allez, grouillez-vous. Bon, en tout cas, par contre, j'espère que le game... Le mec, il s'avance vers la surface. Le gars, comment je l'ai blessé, quoi. Ça n'a aucun risque. Kerjan, qu'est-ce qu'on t'a dit? On t'a dit quoi, bordel? Kerjan, on t'a dit mollo les tacles. Putain! Même si c'était pas dans la surface de réparation, encore heureux! Bon, là par contre, bien joué pour ce rattrapage in extremis. Allez, Darnell Rose, t'es tout seul! Blac, 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 blac! Putain, ça veut pas, hein. Ça veut pas, hein. Vas-y, hors jeu. Non, c'est pas hors jeu. Mais vas-y, mais c'est quoi leur gardien là? C'est Ochoa leur gardien, ou c'est le gardien muraille, personne ne passe, c'est ça? Enfin, je sais pas. Ah merde. Pogba, tu peux le faire, Moreno, tu peux le faire. Oh, but de Stevens. Oh. Eh, j'entends rien, les gars. Ah, c'est bien ce qu'ont fait les joueurs sur ce but. On va voir tout ça ralenti. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais l'attaquant a bien suivi l'action. Un but plein d'opportunisme. C'est donc l'ouverture. Allez, score, ça fait 1-0. Toujours ça de prix. Alors que vous découvrez une statistique sur les tirs. Donc ouais, on m'avait demandé aussi de faire jouer un peu... Oui, là j'avoue, il y avait faute. Sur moi. Quoi? Je croyais que c'était moi qui avais fait la faute, mais bon. Par contre, là j'ai fait la quiche. Bon, en même temps, je suis fair play, hein. Je leur rends la balle, hein, parce que pour moi, il y avait faute sur. Enfin, c'est moi qui avais fait faute, c'est pas eux. Donc, bon. America! Merde! Donc ouais, on m'avait aussi demandé de faire jouer un petit peu les remplaçants, enfin les remplaçants de chaque poste. Bon, ça me dérange pas, hein, les amis, mais bon,
cette session-là, je pense pas que ce sera possible parce que bon, je vais quand même me retrouver contre Tottenham, hein, c'est pas non plus une équipe de merde. Mais bon, voilà quoi, je vais quand même devoir assurer le coup. Comment j'ai fait, voilà, déjà 45 minutes dans ce match. Comme j'ai dit, je vais devoir quand même assurer le coup. Je mettrai peut-être des remplaçants, hein, mais enfin voilà quoi. Je pense pas que je vais mettre beaucoup de personnes. Hop. Allez, on continue. Hein. Vas-y, on continue. Les joueurs sont de retour pour cette bon, pour le moment, ça fait 1-0 pour moi, c'est déjà pas mal. On va essayer d'en mettre un deuxième, histoire de dire qu'on a quand même. Bravo. Ouais, ça tourne magnifiquement bien en ce moment. Black. What? Tourbillon. Non, je voulais faire Tourbillon. Ah, il a mis toute sa puissance dans la frappe. Il a vu une petite ouverture. C'est la première. Bah, je crois que c'est son premier but, hein, dans mon équipe. Hein. Bah, franchement, on va dire qu'il ne le mérite pas, hein, mais. Pour le moment, il m'avait pas montré grand chose, j'ai envie de dire. Donc, par contre, on va remplacer sûrement Alvarez. On va remplacer Alvarez et on va mettre. J'ai toujours du mal à choisir. Il a combien de gènes, Alvarez? 66. Il a 66 de général. Alors on va mettre Acosta. Pourquoi lui? Bah, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est comme ça pour le fun. Ça dépend de ce que j'ai mangé, de comment je vois les choses. L'entraîneur qui procède à un changement donc. C'est le truc en fait, c'est que dans mes remplaçants, à part Thiago Mendes et puis Martial qui m'ont montré de bonnes choses, les autres, ils m'ont pas montré des choses énormes. Viviano. Viviano, c'est un vrai défenseur ou c'est il vient de. C'est un régène. Enfin je sais pas en fait. Merde. Mais laisse-moi passer. Blanc. J'ai rien fait. Monsieur l'arbitre. Mais reprends-le Rodriguez là. Putain. Vous êtes deux sur sa gueule, vous êtes pas moyen de le récupérer la balle quoi. Enfin, vous avez du bol. Ouais, par contre, je vais peut-être faire. Je vais peut-être remplacer Moreno et mettre Martial à la place. Et. Je vais mettre. À ma place, je vais mettre Yes Uri. Vous allez comprendre pourquoi c'est, je me remplace moi plutôt que l'autre. C'est tout simplement pour pouvoir me préserver. America! Fuck yeah! Toi, viens là, carton! Bah quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Toi, viens là, carton! Hein? What? Ouais, comme bien une faute sur ce tacle glissé. Voyons voir, c'est quoi qui. Ah, c'est le même, eh oh, faut pas pousser. Bon, on pourra pas dire que le match n'a pas été physique en même temps, hein. Deux cartons déjà, ça va. Les deux entraîneurs qui vont procéder à des changements. Alors, ouais, quand tu vois qu'eux ils remplacent par Berbatov tandis que nous, tout ce qu'on a c'est. C'est lié à souris et pas. Et à Costa. C'est le ballon qui n'inquiète pas le gardien finalement. Le ballon qui passe juste au-dessus de la barre. Bon, on a aussi Anthony Martial, mais bon, c'est autre chose.
James Rodriguez. Bien joué, Viviano. Passe le dé pour James Rodriguez. Oh! Ouais, c'est repoussé. La frappe. Putain, Viviano, il me fait des bons trucs quand même. Corner à suivre pour l'AS Monaco. Bon, bah, dommage. Gargent, tu l'as. Pas. Bien joué, Capel. Pour le gardien qui a vu le ballon venir à lui. Putain, par contre, là, j'ai fait comme un rat. C'est bon. On gère. Il est souris. Bah putain, mais récupère la balle, du con. Putain. J'y crois pas. L'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Ah, qui va reprendre le ballon. Voilà. Gargent, toujours présent. Porter le danger dans la surface avec cette touche. Ah, pas facile hein, pour un attaquant de rentrer dans ces conditions. Ouais, c'est vrai, hein, son équipe est menée en plus et il sait que l'entraîneur attend énormément de lui. Vas-y, Acosta, tout seul. Enfin, non, t'es pas tout seul, mais... Là, pour le coup, si, t'es tout seul. Ah, putain, mais... On perd le ballon à la suite de ce centre qui n'a trouvé personne. Martial, pourquoi tu t'es barré? Allez, récupérez la balle, bordel. Je vais éviter de faire des tacles avec lui, quand même. Non. Sur du jeu du gardien, il n'a toujours pas encaissé de but. Il se dispute le contrôle du ballon. Alors, putain. C'est quoi, c'est pourquoi? J'ai envie de dire pourquoi. Quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Bon bah Martial il aura rien eu hein. Joao Moutinho. Non. Rivière. Condobia. Superbe. Wow. Putain, hé, hey, Capel. Ça se respecte là. On en restera là puisque c'est terminé. Ça se respecte Didier Capel. Qu'avez-vous pensé de ce match, Franck? Bravo. Franchement, surtout mais attendez voir. Sur la qualité défensive de cette équipe. Elle a eu le mérite de rester solide, de ouais, ne pas défensivement, on a été quand même assez puissant. Pablo Ayala, c'est celui qui a eu celui qui a eu le ballon du match, c'est Capel. Viviano, il a quand même fait 8. À bientôt. Et Cargent 8,1. Moi j'ai fait 8,1, Moreno 8,1. Ouais, Acosta. Les trois remplaçants ont fait de la merde. Acosta 4,3. Yesuri 5,1. Martial 5,5. Ou comment faire plus de la merde, c'est pas possible quoi. Voyons voir. Info club, ouais. AS Monaco, en ce début de saison, l'équipe s'est imposée sur le score de 2-0. Alors, est-ce qu'on est premier? On pourra pas voir. Oh putain! Putain, mais pourquoi? Pourquoi je suis dans le tableau avec le Spartak Moscou où il y a maintenant de nouveau Waris? Et surtout, pourquoi je suis avec le FC Barcelone? Putain! Alors là, ça risque d'être puissant, les amis. Hein. Pour le moment, je suis contre Tottenham. Mais franchement, ça risque d'être violent. Putain. Ça, je confirme. Dans 3 épisodes, ce sera très violent. Alors, assister à la conférence de presse. Joueur. Lloris.
Je le décontenance parce que ce n'est qu'une merde. Alors, juste pour voir si ce qu'il dit sur Lloris. Le tempérament du gardien adverse pourrait être un handicap pour son club. L'entraîneur a expliqué devant les journalistes l'importance de la maîtrise de soi sous la pression en prenant l'exemple du gardien de 27 ans qui pourrait bien irriter Tim Chilwood. Le poste de gardien est délicat à tenir car la moindre erreur conduit inévitablement à un but. Les joueurs comme Lloris doivent avoir des nerfs d'acier, si ce n'est pas le cas, et je ne suis pas sûr qu'ils en fassent toujours preuve, alors ça peut compliquer les choses. Ça va, il a été sympa, j'aurais cru qu'il allait dire ouais, il sait pas arrêter les ballons, ou il sort jamais de son but. Mais ça a l'air d'être que moi. Bon, rapport mensuel. Vous inquiétez pas les gars, je fais juste un rapport mensuel pour regarder ce qu'il y a. Lui, je le prends, parce que il a l'air d'être puissant. Hop, je recrute. Lui, par contre, il vire. Le gardien. Non, je pense pas. Stefano. Picognoli. Ah, je picole. Je le rejette. Et le rapport en France cette fois. Alors toi, tu te barres. Toi, par contre, tu restes. Je te recrute direct. Toi, tu peux te casser. Toi, tu peux te casser. Toi également. Et toi également. Bien. J'en aurais quand même recruté deux. Donc, il y a Aoshidanka, que je vais peut-être pouvoir bientôt prendre dans l'équipe. Puis ensuite, il y a bien Mamadou Agbeko, mais il a pas beaucoup de général, c'est ça le truc. Après, il me semble qu'on peut dire... On peut lui proposer des trucs à 0€ pour qu'il reste. Mais bon, je sais pas trop comment ça se fait, enfin comment ça se passe. Mais bon, on verra. De hein. toute façon, s'il se barre, il a qu'à se barrer. Écoute, hein. S'il veut se barrer, il aura qu'à se barrer. Puis tant pis, hein. De toute façon, ce sera pas la mort. Hein. C'est pas comme si cette équipe-là allait rester tout le temps. Alors, il y a du people qui est crevé. Alors, déjà pour commencer, Masuaku, je vais mettre Wakili Ofrata et à la place de Bamin, je vais mettre Kenny Lala. Ensuite, je vais laisser Capel. Je vais mettre Thiago Mendes en milieu défensif central. Pogba, il reste. Darnell Rose, par contre, il va laisser sa place à Anthony Martial. Et je crois que c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà, c'est l'équipe. Capel, Lala, Kerjan, Amidou, Ofrata, Mendes, Alvarez, Pogba, Stevens, Martial, Moreno. Et en remplacement, j'ai Ayassé, Gbamin, Ayala, Uri, Nguet, Acosta et Darnell Rose. On joue le match. On verra bien ce qu'ils pourront m'offrir, les joueurs. Parce que, bon, faut m'offrir du challenge, quoi. Merde. On se casse. Bonjour et bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver en compagnie de Franck Sauzet pour ce match de coupe. Sergio Moreno, 5 buts toutes compétitions confondues, je crois que c'est celui qui a le plus de buts pour l'instant. Bon, par contre, quoi qu'il lui offre un toit, il n'a pas intérêt à me faire de la merde. Franchement, vous connaissez qui là-dedans, à part Vertonghen.
Coligno aussi, je connais. Bon, autant dire que je vais vous rétamer, les gars. Par contre, j'ai oublié de changer les... Lennon. Changer le, les... Elle s'avance vers la surface. Ah, putain. Genre, j'ai oublié de changer les tenues. Mais bon, en même temps, ils étaient en blanc. Si j'aurais mis en blanc, ça l'aurait pas fait. Peut-être un contre bon. À amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Noir, on l'a déjà fait tout à l'heure, mais bon, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Merde. Bien joué, Kenny. Blanc. On récupère ce ballon dans notre jeu. La bonne anticipation sur cette passe. Et fonce. Pogba, qu'est-ce que tu fous? Attention, ça pourrait être dangereux. Un défenseur s'interpose sur ce centre. Bah alors. Relax. On va juste les défoncer. Walker. Merde. On s'approche du but. Ah, ça ne passe pas. Bah, il trouve une touche à proximité. Heureusement qu'il est là, Amidou. Hein. Sandro. Le kilo frata là, il m'a fait. Oh, le beau tir. Il a joué Capel. Le gardien qui capte. Bon, par contre, ce dégagement était, n'avait aucun sens. Ah, oh, oui, le bon centre dans la surface. Blanc. Voilà, au moins, ça débarrasse. Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Oh, c'est parti. Oh, gardien, c'est propre et net. En plus, le ballon il a été dévié. Donc, ça aurait été marrant. Quoi. C'est bon. Peut-être le but. Non, c'est pas bon. C'est ce qui arrive quand on n'est pas sur son bon pied. Ouais, j'étais pas sur mon bon pied. Ferme-la. Hein. Essaye de faire mieux, toi. Hein. Pour gagner, ah, je te jure. Franchement, les commentateurs sportifs français, ils me saoulent. Méfiance tout de même. Assoué Koto. Merci bien. C'est propre ça. Alors, vous qui êtes tout près du joueur, vous pouvez nous en dire plus sur sa blessure. Ouais, il s'est rien fait. Attends, héros, faut pas pousser là. Personne s'est chauffé pour le remplacer. Merci pour ces informations. Par contre, ça, c'était un petit peu de la merde. Taylor. Merde. Eh, ils ont décidé de me prendre en sandwich en fait, hein, je crois. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. Okay, est bien parti. Eh bah, Lloris, il sort pas. C'est bizarre, attention, ça. Attention, attention, attention. Sur les coups de pied arrêtés, Lloris est très mauvais. On a tiré ce corner. Un beau duel en perspective. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Ah. Ça perd. Peut-être une occasion. Elle a la possibilité de centrer. Elle est dans la surface. Ah. Taylor. Oh, fais chier. Ah, putain, je la voyais trop. Saloperie de poteau. Va. L'attaque qui est stoppée, c'est peut-être pas fini. Un bon pressing du défenseur. Je suis pas un défenseur, je suis un attaquant. Biatch. Et le pire, c'est que ce seront encore les mêmes commentateurs dans FIFA 15. Quoi. Ouais, j'allais dire, il est hors-jeu, bordel. Il est hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Non, non, il est pas parti un peu tôt. Il est juste parti 5 minutes avant. Ce ballon qui traîne. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est un hors-jeu signalé par l'arbitre. Ah ouais. Je croyais que je l'étais pas. Bon, pour le moment ça fait 0-0. Je pensais que j'allais les laminer, mais ils ont. Excellente interception. Ils ont l'air d'avoir une bonne défense quand même. Hein. Ou alors c'est qu'ils ont tout blindé en défense et puis rien à foutre en attaque, mais. Ha
Sandro. Bon, par contre, je vais peut-être faire un changement pour, il s'approche. Pour essayer d'amener des nouveautés ou pas. J'en sais rien. Heureusement que Capel il est en forme. Hein. Heureusement qu'il est en forme, franchement, parce que. Là, je te dis pas sinon. Bon, 0-0. Alors, on va faire un petit changement parce que. On va pas le faire sinon. Qui c'est qu'on va changer? Je pense que les choses risquent d'évoluer en seconde période. Putain, Scargent, il est crevé. Scargent, il est crevé, mais je peux pas le remplacer. Je peux pas le remplacer. Il est trop important pour l'équipe. Je vais mettre Open Gate à la place de Alvarez. Je pense que déjà ça, ce sera bien. Est-ce que je remplace ou pas? C'est la question. Est-ce que je remplace Kerjan ou pas? Putain, il est complètement crevé, mais. Oh putain, le dilemme! Le dilemme, toi. Bon, allez, je le remplace. De toute façon, si jamais. Ça dit que. Que je perds parce que j'ai remplacé Kerjan, franchement, ça chie. L'entraîneur. A demandé à deux joueurs d'entrer sur la pelouse. Ah, parce que là, du coup, mon meilleur défenseur est parti. Hein. Ah, bah oui, hein. Kerjan, c'est carrément mon meilleur défenseur. Regardez tout ce qu'il me fait et tout, hein, franchement. Il est parfait hein, comme défenseur. Dommage qu'il est. C'est comme je le dis à chaque fois, hein, dommage que son potentiel soit si bas. Hein, que franchement, il pourrait devenir super bon. Ouais, je suis sûr que sur FIFA 15, ça sera augmenté. Surtout que normalement, il restera pas à Valenciennes. Le prochain arrêt de jeu. Blanc. Les visiteurs vont faire entrer un petit peu de 109. Il restera pas à Valenciennes vu que son contrat se termine. C'est terminé de toute façon. Sinon, vous pouvez me laisser la balle de temps en temps. Putain, Wakio Frata, il me fait rien. Bah alors, Enguette, qu'est-ce que tu fous? Vas-y, je suis tout seul. Bien joué. Connard. Bien joué, connard. Ça, c'est... C'est sympa pour lui, hein. Bon, Anthony Martial, il est crevé. Je vais le remplacer par Darnell Rose. On verra ce que ça donne. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ouais. Attention à cette perte de balle au milieu. Bah, comment il me retient? Elles sont à la lutte. Putain, comment il me retient, le gars? Ils obtiennent un corner. Bon, par contre, là, j'ai peut-être été assez con parce que je vais remplacer Martial alors qu'il aurait pu mettre un but de la tête. Donc, il est un peu plus grand que Rose. Ouais, on ne se pose pas de questions. Oh, quel joli tir ! Dommage. L'avantage qui s'envole. C'est dommage. Eh, hey, faut pas que je reste sur un 0-0, franchement. On s'approche du but. Ne reste pas sur un 0-0. Construire. Ou pire, que je perde. Ce serait con, ça, que je perde. On en reste sur ce score de parité. Ah, oh, mais putain, mais pourquoi tu fais pas la passe, du con? Aïe, 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 je te jure. Il y en a, ils sont pas finis, lui, il est pas commencé. Hein. Non! Non! Oh,
Oh putain. Sur cette interception. Ouais, mais ils sont chauds, hein. Imminent pour l'équipe visiteuse. J'y arrive pas, les gars, j'y arrive pas. Quoi? Comment ça, il y a faute? Pas de carton, mais coup franc. Je joue la balle. Elle veut le gagner, ce match, alors il tente, il a peut-être raison. Le gars, je joue la balle et puis il y a faute. À la suite de ce centre qui n'a trouvé personne. Ah putain! Il me saoule ce joueur. Asuekoto. Je vais l'aminer, le joueur. Allez, faut pas la rater celle-là. Eh, n'empêche que depuis que Kerjan est parti, je galère beaucoup plus. Eh, mais putain, mais regarde-moi ça, comment il me retient. Et là, il n'y a pas faute, monsieur l'arbitre. Par contre, moi, dès que je frôle un joueur, là, il y a faute, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Tiens, là, il y aura faute. Ouais, c'est bien donné, ça. Ouais, là, voilà la frappe. Ouais, bon, là, je crois que c'est mort. Hein. Dernière. Centre. Putain, non. Ok. Dernière. Une dernière occasion. Le corner. Faut que je la mette, franchement. Ah putain. Et ils sont tous en défense. Hein. Ils étaient tous en défense. Voilà, c'est terminé. 0-0. On peut pas dire que j'ai pas eu d'occasion. Mais bon, ça voulait pas rentrer. Ah oui, j'avoue qu'il est surprenant le résultat parce que bon. Ça prouve que finalement FIFA c'est pas de la simulation. Enfin, c'est pas de la simulation réelle. Parce que sinon j'aurais quand même réussi à mettre au moins 5 ou 6 buts. Bah oui, c'était Lloris dans les cages, je suis désolé, hein. Faut quand même qu'il y ait un minimum de réalisme. Ah putain, je suis un enfoiré. Je sais, mais en même temps, on pourra pas dire, mais il y a quand même eu des trucs où franchement, il y aurait dû y avoir des pénalties ou quoi, hein, parce que là, franchement, faut pas pousser. Bon, bah, c'est Capel qui m'a encore fait le meilleur match. Bon, bah voilà, hein, c'était pas mal. Donc, les prochains... Alors, je suis toujours deuxième, mais à 13 points, égalité avec le premier. Donc, les prochains matchs. Alors, voyons voir les prochains matchs. Calendrier, hop. Ce sera contre le LOSC et contre Nantes. Donc, LOSC et Nantes. Je pourrais faire jouer les remplaçants si vous voulez. Alors, donc... Bon, par contre, ça me fout mal, je vais le casser. Hop, voilà. Alors, le rapport d'équipe. On va aller jusqu'au match. Ça va, il aura été assez court, finalement, cet épisode-là. Alors, le rapport d'équipe. Donc, on pourra faire jouer donc Didier Capel, Jean-Philippe Ogbamin, Yves-Marie Kerjan, Enweke Amidou, Foucault Arthur Masuaku, Pablo Ayala, Adrien Alvarez, Paul Pogba, Geoffrey Stevens, Darnell Rose, Sergio Moreno, Yes Uri, Thiago Mendes, Luigi Viviano, Pablo Acosta, Anthony Martial, Opa Nguette, Kenny Lala, Wakili Ofrata, Fares Ayassé, et c'est tout. Parce que les autres, enfin Paul Chariot, il est prêté.
Donc voilà, vous me dites quel joueur vous voulez avoir sur le terrain. Puis je tâcherai de le faire jouer. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!